Dans le delta du Niger, ce n'est pas la première fois que la rivière se teint en noir. Shell, maillon fort de l'économie du pays, n'a pas tous les indicateurs au vert. Les pipelines du géant du pétrole se sont déversées à flot dans la région. La première puissance économique africaine est une nouvelle fois frappée par une catastrophe écologique. Avec les terres et les eaux devenues impraticables, cet accident aggrave les conditions sociales et économiques de la région. En comparant ce type de déversement avec ce que nous avons eu auparavant, je pense que c'est l'un des pires de ces 15 dernières années. Celui qui avait eu lieu il y a 15 ans avait entraîné le paiement d'une indemnité massive par Shell. Depuis les années 50 et le début des activités extractives dans cette région, des millions de litres de pétrole sont déversés dans la nature. Cette fois-ci, ce sont 180 000 barils par jour qui ont envahi les rivières et les écosystèmes durant près d'une semaine. Plus de 300 pêcheurs sont touchés par ce déversement massif. Shell a reconnu sa responsabilité selon mes informations. De ce que j'ai entendu dire, ils ont fermé le point de versement, mais son impact ne peut pas disparaître dans l'année qui suit, car il est énorme. Les vols, attaques et fuites de pipelines amenuisent la production d'or noir du pays. Ce n'est pas moins de 270 000 barils par jour que le Nigeria ne produit plus, d'après un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sorti en mai dernier. Ce pays du Golfe de Guinée se contentera seulement de la seconde place de producteur de pétrole africain, cédant la médaille d'or à l'Angola.